Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. जिसको कल कहता था कल को कल बन जाए रे पल कल कल बह जाए रे पल कल कल बह जाए रे पल कल कल बह जाए रे कल जिसको कल कहता था कल को कल बन जाए रे पल कल कल बह जाए पल को तू बल दे दे इस पल को तू बल दे दे कल मत कहना आए रे पल कल कल बह जाए पल कल कल बह जाए रे पल कल कल बह जाए Thank you.
Jaya 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 Mahadeva. Jaya 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 Mahadeva. Shiva Shankar Adi Anant. Shiva Shankar Adi Anant. Jaya 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 Mahadeva. Jaya 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 Mahadeva. Namaskaram à tous. Non, je ne vérifie pas si je suis positif ou négatif. C'est une des fleurs les plus parfumées que vous trouverez dans le monde. Alors, vous savez, c'est l'une des manières de vérifier si vous êtes contaminé par le virus ou pas. Je peux sentir un parfum délicieux. Eh bien, le virus danse partout sur la planète. C'est une danse de la mort. Eh bien, en moyenne, au cours de cette dernière semaine, les États-Unis se maintiennent à plus de 2000 morts pour plus d'une semaine, si je ne me trompe pas. Dépasser les 45 000, c'est ça? 42 000 morts, rien qu'aux États-Unis. La France a dépassé les 20 000 morts. L'Inde tend vers les 600. Mais l'assouplissement, juste la promesse de l'assouplissement, que la plupart des États ont refusé parce qu'ils savaient, dès qu'ils ouvrent un peu, alors tout le monde tente de se faufiler à travers l'interstice. Déjà des bouchons autour de Delhi. Tout le monde dit qu'ils sont en déplacement d'urgence. Leur propre sorte d'urgence. Vous ne pouvez pas... Vous savez, tout le monde pense que son travail est important, leur petite entreprise, leur travail, leur famille, ou quoi que ce soit. Donc, maintenir un confinement effectif, quel sera son degré d'efficacité au fil du temps? C'est un énorme défi et une vraie question. Singapour a déclaré un confinement jusqu'au 1er juin. Beaucoup d'experts suggèrent à l'Inde de rester fermée jusqu'à la fin mai. Mais je ne pense pas que l'Inde étant en grande partie une nation agricole, à cette époque de l'année, on ne peut pas vraiment confiner. 65% de la population est impliquée dans l'agriculture ou une activité qui s'y rattache. Et l'agriculture est quelque chose qui doit se faire à l'heure parce que les saisons changent sans nous attendre. Donc, il y a des défis. Une fois que l'assouplissement se fait, comment le virus va se comporter? Mais la bonne nouvelle est que l'ICMR dit que 80% des personnes qui entrent en contact avec le virus peuvent ne présenter aucun symptôme ou des symptômes très légers. C'est tout pour eux. C'est simplement qu'ils vont porter le virus et le transmettre à quelqu'un. Donc je pense que nous devons confiner tous ceux qui ont plus de 55 ou 60 ans. Et ceux qui sont plus jeunes peuvent aller travailler, quelque chose comme ça.
Les populations vulnérables doivent rester confinées pour limiter la mortalité. Les autres peuvent reprendre l'activité économique ou quelque chose, je ne sais pas, il n'y a pas de solution parfaite. Tout est... cruelles décisions à prendre, des décisions très cruelles. Qui doit mourir, celui-ci ou celui-là? Quelle sorte de décision est-ce là? Mais malheureusement, c'est ce qu'on a été forcé de faire. Les hôpitaux en Inde ne sont pas vraiment submergés. Ils ont créé plus de 100 000 lits disséminés à travers le pays, juste pour ceux qui sont infectés par le virus. Mais on a seulement identifié un peu plus de 18 000 cas positifs, dont la plupart sont en quarantaine chez eux. Donc, pour anticiper une surcharge de patients, tous les hôpitaux sont en attente, comme ça. Mais il n'y a concrètement pas de surcharge pour le moment. J'espère que ça va rester comme ça et passer comme ça. Je ne connais pas le pouvoir de la mousson, peut-être qu'elle va tout nettoyer. J'espère. Il n'y a aucune preuve nulle part que la pluie va tout nettoyer. Mais vous savez, c'est l'espoir d'un Indien du Sud. Parce que les gens du Sud ont toujours cru que peu importe ce qui se passe dans le monde, la péninsule de l'Inde du Sud survivra. À une époque, on appelait cette terre Jambu Dweep. Ça veut dire, c'était une île dorée, parce que, au nord, protégée par les montagnes de l'Himalaya, au sud, protégée par l'océan Indien, c'était une terre d'abondance à tous les égards. En termes de biodiversité, aucun autre endroit n'est aussi riche que ça. C'est même plus que la forêt vierge d'Amérique du Sud, en termes de ce qu'on trouve dans le sol. Eh bien, on le détruit systématiquement, ça c'est une autre affaire, mais c'est comme ça. Donc, la tradition et la culture ont construit cela. Dans le Sud, peu importe ce qui arrive, on sera toujours protégé, et on ira bien, parce que Shiva lui-même vient du Sud. Je ne sais pas, quand je vais aux États-Unis, j'ai... Même aux États-Unis, les gens du Sud pensent qu'ils sont les meilleurs. C'est les vacances d'été dans une famille nombreuse du Sud. Tous les... Vous savez, en général, ce sont de grandes familles. Tous les cousins et les frères et sœurs sont tous arrivés là, plus de 40 personnes. On était comme ça quand on était jeunes, nous étions environ 36, vivant dans différentes parties du pays, mais tout le monde se rassemblait pour l'été. Donc, ils arrivent tous dans un grand ranch. Tante Mathilda, qui est douée avec les enfants, essaye de leur expliquer qu'absolument toutes les vertus, la bonté, la douceur, la politesse, l'amour et la compassion, toutes viennent des gens du Sud. Alors un adolescent sceptique, un des garçons, demande « Tante Mathilda, est-ce que Jésus aussi venait du Sud? Était-il du Sud ?» Alors elle le regarde. Vous savez, ça serait un peu exagéré de transporter un homme de la Palestine au Texas. Elle dit « Non, mais il était suffisamment bon pour en être un. » Donc, nous avons notre propre biais en Inde du Sud.
La nature a soutenu ce biais, avec sa biodiversité, avec son abondance, avec sa culture, toutes sortes de choses. Donc, les gens du Sud pensent qu'ils vont survoler cette situation également. Le Kerala, qui était l'un des premiers États qui a connu un maximum de contamination, parce que des gens sont venus d'ailleurs, les a très bien contenus et reprend les affaires. Je parle à différentes personnes dans l'administration du Tamil Nadu, eux aussi sont très confiants qu'ils vont gérer ça ces deux prochaines semaines et qu'ils reprendront les affaires. À part un groupe très déterminé qui a créé beaucoup d'anomalies, ils disent, sans ce groupe, à l'heure qu'il est, on aurait repris les affaires, complètement. Donc, cette confiance n'est pas complètement infondée. Elle tient sur quelque chose. Et nous voici dans la nature vierge du Sud. Donc je pense qu'on va bien s'en sortir. C'est juste que j'espère qu'on y arrivera avec le moins de dégâts possible. Malheureusement, tout un tas de soignants succombent au virus dans le monde entier. Et aussi, malheureusement, certains groupes de gens en Inde attaquent les médecins et les infirmières quand ils vont les soigner. Ce sont des aberrations tragiques. Autrement, la communauté des soignants fait un travail fantastique. La police en Inde est devenue exemplaire pour faire respecter la discipline à tous et eux-mêmes font preuve d'énormément de dévouement et d'engagement. Et les dirigeants politiques en majeure partie, quasiment, vous savez, en très grande partie, ils dépassent leur mesquinerie habituelle et sont vraiment au travail. Si on reste comme ça, je crois qu'en utilisant le virus, si on reste comme ça, dans 2 ou 3 ans, l'Inde sera à un tout autre niveau. Donc, l'été, l'été est une période où, en Inde du Sud, la vie se fait un peu paresseuse. Juste la chaleur. Même le paysan va au champ à 4h30 du matin et il termine à 8h30, 9h, se repose durant la journée, puis recommence à 15h30, 16h et travaille jusqu'à 19h, puis s'arrête. Parce que c'est l'époque où notre relation au soleil est très intime. Oui, parce qu'il est chaud, il fait chaud, c'est tout. C'est une intimité, c'est une relation très chaude. Comme nous sommes à 11 degrés de latitude et que la planète est inclinée comme ça, notre relation avec le soleil à cette période où on va vers le solstice d'été devient de plus en plus intime. D'ici le 14 mai, nous aurons ce qu'on appelle Agni Nakshatram, ce qui veut dire qu'une étoile vraiment ardente va flamber. Ce n'est pas pour toute la planète, c'est pour cette bande de la Terre, cette latitude, vraiment en feu. Mais c'est le meilleur moment pour toute vie. Parce que toute vie, quand je dis toute vie, la majeure partie de la vie sur cette planète est végétale, vous devez comprendre ça. Toute vie veut dire, non, on parle de la vie, vous, un événement récent, une certaine nuisance de sorte que personne ne peut vous ignorer.
Voyez, quand quelqu'un est une grande nuisance, personne ne peut l'ignorer. Vous pouvez ignorer les meilleures personnes dans le monde, mais quelqu'un qui est une vraie nuisance, vous ne pouvez l'ignorer. Dans ce contexte-là, les êtres humains se démarquent, parce qu'on est une grande nuisance sur cette planète, en ce qui concerne les autres vies. Vraiment. Si vous étiez un arbre, si vous étiez une fourmi, si vous étiez une sauterelle, si vous étiez un éléphant, si vous étiez un tigre, vous vous diriez à coup sûr, qui c'est cet idiot ? Allô ? À coup sûr. Même maintenant, il le pense. Il le pense certainement, voyez. Maintenant, beaucoup d'entre eux se mettent à marcher dans la rue et il y a toutes sortes de vidéos qui circulent, des tigres couchés sur la route, des lions couchés dans la rue, toutes sortes de choses. Des panthères qui se promènent à Hyderabad, des panthères qui se baladent dans les rues de Mysore. Ils ont toujours été là, mais parce qu'on était une telle nuisance, ils se tenaient à l'écart. Maintenant qu'on reste chez nous, ils explorent la ville. Donc, cette existence humaine est différente, mais toutes les autres vies aiment l'été, car la vie se passe au mieux. Il y a un maximum de croissance. La seule chose, c'est que, de temps en temps, il faut un peu d'eau. Jusqu'à présent, ça a été formidable parce qu'il a plu deux fois en avril. C'est juste fantastique. Vous pouvez voir la santé de la montagne, ça vous dit comment se porte la vie. Si ces deux pluies n'étaient pas là, les montagnes seraient marron. Elles sont toutes vertes et luxuriantes. On a juste besoin d'une grosse averse de plus. Vers la fin de ce mois ou la première semaine de mai. Et l'été sera bon pour nous, parce que la troisième ou quatrième semaine de mai, les vents de la mousson seront de retour. Donc, l'été est une période magnifique parce que tout pousse à plein régime. Tous les arbres revêtent un nouveau manteau de feuilles. Eh bien, en fait, si on avait permis tout un tas de si. Si le monde, si au moins le Tamil Nadu ressemblait au Santriksha Yoga, s'il y avait autant de verdure dans tout l'état, eh bien, les températures ne grimperaient pas autant. Et l'été serait une période formidable. Il n'y a que quand vous êtes dehors au soleil que c'est un peu épuisant. Mais à l'ombre, c'est très bien, parce que tout bourdonne. Toutes les nouvelles feuilles, énormément d'oxygène dans l'air, parce que les arbres se sentent très heureux. La seule chose, c'est qu'une fois tous les 15-20 jours, au moins une fois toutes les 3 semaines, une averse. Et on passe l'été. Eh bien, en parlant d'été, j'ai griffonné quelque chose pour vous. Est-ce que je vous torture avec mes poèmes ? Vous pouvez me le dire, d'accord ? Pas de problème. Ça s'appelle été. Fragrance of flowers, keeping bees and birds busy and happy. Fragrance of flowers, keeping bees and birds busy and happy. Crickets going gee day and night about something they gained or lost. Crickets going gee day and night about something they gained or lost. Breeze ever so hesitant either to spread the coolness it carries or hold it to itself. Breeze ever so hesitant either to spread the coolness it carries or hold it to itself. You can be fragrance or filth, can lose or gain, share or shed. You can be fragrance or filth, lose or gain, share or shed. Well, Tamil people are clapping. Thank you. Mm.
Cette question est de Sarah. Namaskaram Sadhguru. Le karma est notre action. Comment devrait être notre action pour qu'elle nous libère plutôt qu'elle nous emprisonne? La plupart d'entre nous ne savons pas reconnaître si une action est compulsive ou consciente. Comment acquérir ce discernement pour ne réaliser que des actions conscientes? Il ne me reste plus qu'un jour de travail. Je suis en train de finir le livre sur le karma, qui est publié par Random House aux États-Unis. Il va être publié dans le reste du monde, mais pas en Inde. Parce qu'on parle de karma depuis des milliers d'années, vous devriez avoir compris. Sarah ne sonne pas très indien, donc je pense que ça va. Mais je pense que c'est une conspiration pour avoir le livre gratuitement, tout de suite. Plus qu'une journée de travail et il sera achevé. Il y a de nombreuses façons d'aborder cela. Comment devrais-je agir ? Karma signifie, comprenons ceci, karma ne veut pas seulement dire faire quelque chose dans le monde. Vous êtes assis ici, vous faites du karma. Le karma d'être assis ici. Le corps fonctionne, il respire, en absorbant de l'oxygène, en rejetant du dioxyde de carbone. Cet arbre vous bénit parce que vous rejetez assez de dioxyde de carbone. Supposez que vous aussi, vous le stockiez en vous et fabriquiez un diamant pour pouvoir le donner à quelqu'un. Non, carbone, non? Alors l'arbre vous regarderait et dirait, quel rustre! Même le dioxyde de carbone, tu le gardes pour toi. C'est une sorte de karma, je vous le dis. J'essaie de parler sans empiéter sur le livre. Parce que ça pose certains problèmes. Donc si vous êtes assis ici et respirez, en ce qui concerne l'arbre, vous faites un bon karma. Vous ne le savez pas. Vous pouvez aussi en être conscient. L'arbre me donne de l'oxygène, je donne du dioxyde de carbone. Est-ce que ça veut dire qu'il faut respirer fort? Non, pas du tout. Vous respirez juste. Ça a de toute façon lieu. Donc, du karma physique a lieu. Le karma mental est toujours en marche, chez la plupart des êtres humains, quasiment tout le temps. Le karma émotionnel a lieu, le karma énergétique a lieu, autrement vous ne seriez pas en vie. Donc le karma a lieu. Ce n'est pas nécessairement ce que vous faites, consciemment. Ça a tout simplement lieu. La vie est karma. Si vous voulez devenir Naish Karma, ça signifie... Les gens pensent pas de karma. Si vous voulez devenir pas de karma, une telle chose n'existe pas. Vous pouvez devenir un karma très minime. Donc, un accro du canapé, est-il Naish Karma? Non. La léthargie est une quantité énorme de karma, parce qu'être léthargique exige beaucoup de travail. Au sens où, vous allez devoir générer beaucoup d'explications pour tout et vous convaincre que vous n'avez pas besoin d'y faire quoi que ce soit. En ce moment, le virus se promène, quelqu'un est en train de mourir autour de vous. Vous devez faire quelque chose en vous pour ne pas répondre à cela. Autrement, il est naturel pour vous d'y répondre. Donc, être un accro du canapé n'est pas Naish Karma. Eh bien, un yogi peut atteindre un état de quasi-hibernation où tout est minimisé, mais il n'est quand même pas libéré du karma. Il peut avoir un nombre inférieur de respirations par minute. Vous respirez peut-être 12 à 15 fois par minute. Lorsque quelqu'un est simplement assis, cela peut descendre à peut-être 3 respirations, peut-être 6 ou 8.
Mais vous ne pouvez aller en dessous. Vous pouvez même vous arrêter un certain temps, mais seulement un certain temps. Si vous restez sans respirer, pas en vous retenant, mais juste en ralentissant le métabolisme, alors lentement, un autre niveau de karma va commencer à se développer dans le corps. Quand ça a lieu, il va de toute façon respirer. Il peut à nouveau s'arrêter de respirer, ça va à nouveau reprendre. Donc de cette façon, vous pouvez minimiser, mais vous n'êtes quand même pas libéré. Vous allez devoir vous lever pour boire un peu d'eau ou avaler quelque chose. Lorsque vous ingérez quelque chose doit sortir. Toutes ces choses sont des karmas. Donc comment gérer cela? Eh bien, que pensez-vous qu'on a fait avec vous? Avec ingénierie intérieure, qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est simplement ceci. Beaucoup d'entre vous, presque tous, lorsque vous avez fait le programme Ingénierie intérieure en ligne, vous ne faisiez encore aucune pratique. Ou vous avez commencé le programme, les deux premiers jours, pas encore de pratique, on est encore en train de vous parler. Soudain, au bout de deux jours, soudain, vous avez un nouveau sentiment de vie et de liberté et autres. C'est arrivé à des millions de gens, je le sais. Soudain, vous vous illuminez. Non pas parce que tout votre ancien karma a disparu, juste parce que pendant ces deux jours, vous n'avez pas créé trop de nouveaux karmas. Soudain, vous vous sentez si léger et merveilleux, parce que vous ne faites pas peser un fardeau inutile sur vous-même. Donc, quel est le truc? Il y a divers aspects, je ne vais pas entrer dans tout ça maintenant. La chose la plus simple est celle-ci, votre capacité à répondre. Voyez, est-ce que je dois faire quelque chose ou pas, si j'y pense? En ce moment, beaucoup de gens ont du mal avec ça. Disons, quelqu'un dans les parages, fort heureusement, ça n'a pas encore atteint notre panchayat, nous le gérons de manière très stricte, aucune infection nulle part à proximité. À Coimbatore, il y en a quelques-unes. Donc disons que quelqu'un est infecté là-bas. Alors est-ce que je dois faire quelque chose ou pas? Oh, pourquoi devrais-je? D'autres personnes vont le faire. Qui est cette personne? On ne sait pas, elle doit avoir une famille. Ils peuvent s'en occuper. Mais si l'on vous montre la souffrance de cet homme devant vous, vous allez devoir faire beaucoup de travail pour ne rien faire. Mais pour répondre comme vous le pouvez, tout le monde n'est pas capable d'aller sauver les vies de tout le monde. Mais au moins, faites ce que vous pouvez. C'est très simple. La quantité de karma que vous devez faire, de karma mental, va radicalement diminuer dans votre mental, simplement parce que vous répondez sans faire de distinction. Sans distinction en termes de réponse, mais pas sans distinction en termes d'action, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'agir sans distinction. Dans l'action, vous êtes toujours en train de discerner parce que l'action exige des capacités physiques, de l'énergie, de l'intelligence, des moyens de la faire, du temps pour la faire, bien des choses entrent en jeu. Et ce sont toutes des choses limitées. Personne ne peut agir sans faire de distinction. Si l'on agit sans faire de distinction, on va très vite mourir. Et ça aussi, c'est un mauvais karma. Oui, ça l'est. L'activité n'est pas sans distinction, mais notre réponse est sans distinction. Où que ce soit, j'aimerais faire quelque chose. Si c'est possible, tout ce qui est possible, on va le faire. Pour ce qui n'est pas possible, on a au moins une petite intention. Rien qu'à cause de ça, vous êtes venu au programme et vous avez ressenti un tel sentiment de liberté. Les gens me demandent, « Sadhguru, comment le programme en ligne peut-il fonctionner sans la pratique ?» Je veux que vous sachiez qu'avant de venir à l'initiation à Shambhavi, vous vous sentiez déjà fantastiquement bien. Simplement parce que vous avez arrêté de créer du nouveau karma. Le vieux karma n'a pas disparu dans ces 3-4 jours. C'est juste qu'il n'y a pas eu de nouvelle cargaison. Pour le vieux karma,
À vrai dire, il suffit juste de vivre. Être assis ici, respirer, vivre, le cœur qui bat, c'est suffisant pour commencer de dissoudre le vieux karma. Certaines choses ont besoin d'un coup de pouce en plus, mais la plupart vont simplement s'effacer. Si juste vous restez assis ici, respirez, vivez, le cœur battra tout seul. Vous n'avez rien à faire, ou vous le faites. Certains d'entre vous pensent que vous faites tout. Tout le problème avec les gens quand il s'agit de leur santé et n'importe, parce que tout le monde est un médecin du web maintenant, vous savez, ils font beaucoup de recherches. Pour les médecins, c'est l'enfer, parce que tous les patients qui viennent en savent plus sur la fichue chose que ce que le médecin est censé savoir. Le médecin sait quelque chose de plus profond parce qu'il a passé 9, 10 ans à étudier, il a l'expérience de soigner les gens. Mais ces gens ont fait des recherches, après avoir appris qu'ils ont un certain problème de santé, les 3 derniers jours, ils ont regardé tout ce qu'il y a sur Internet. Et maintenant, toutes sortes de questions, ils font leurs propres prescriptions. S'il vous plaît, donnez-moi ce médicament, les autres, je ne les prendrai pas. Il y en a tout un tas qui arrivent chez les médecins et disent, je ne prendrai pas ce médicament, je ne prendrai que celui-là. C'est censé être un patient très éduqué. Patient très éduqué signifie que vous allez devenir un patient à vie, vous devez comprendre ça. Oui, si vous devenez docteur à vie, c'est bien. Vous devenez un patient à vie, un patient très qualifié, qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement parce que vous pensez que vous faites ceci, touk, 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 vous devez vérifier combien de battements tout le monde porte un bracelet. Eh bien, les gens me disent, Sadhguru, vous devez faire un bilan complet, vous devez faire ceci. Je dis, quoi? Tous les ans, je pars en trek dans l'Himalaya, je suis au Tibet, je vais à Kailash. C'est mon stress test. Si je n'y arrive pas, vous m'enterrerez dans l'Himalaya, c'est tout. Sinon, vous vivez, parce que vous prêtez un peu attention à vous-même, vous savez ce qui se passe. Si vous remarquez que quelque chose ne va pas, alors vous allez chez le médecin et obtenez peut-être un avis un peu plus qualifié là-dessus. C'est différent. Mais être tout le temps inquiet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cela en soi est une maladie. Trop se soucier de sa santé est en soi une maladie, et c'est un terrible karma. Ce karma aura un effet durable sur vous. Alors, c'est tout ce qui s'est passé pendant les 3 premiers jours d'ingénierie intérieure, que ce soit en ligne ou autrement. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'on vous a donné de petits outils avec lesquels vous avez arrêté de créer du nouveau karma, et tout d'un coup, vous vous sentez tellement bien. Vous avez fait ce petit devoir, ok? Le petit devoir, ce qui s'est passé aujourd'hui, 5 choses à écrire. Rien qu'avec ce devoir, vous avez prêté attention à ce que vous faites et à ce que vous ne faites pas. Tout à coup, il y a un sentiment très fort de libération. Si un programme de 2h30 peut avoir un tel impact sur vous, si vous prêtez un peu plus attention pendant ce confinement, vous pouvez juste apprendre à ne pas créer de karma. C'est simplement ceci. Votre réponse est débridée. Vous ne décidez pas ce qui mérite une réponse, ce qui ne mérite pas de réponse. Ce n'est pas votre affaire. Un oiseau, une sauterelle, une fourmi, un être humain, homme, femme, enfant, peu importe. Vous répondez. Devez-vous agir? Non. L'action discerne toujours parce qu'il y a des quantités impliquées dans l'action qui ne sont pas illimitées. Notre énergie n'est pas illimitée, notre intelligence n'est pas illimitée, nos actions en aucun cas ne peuvent être illimitées, elles sont toujours limitées. Mais notre capacité à répondre est sans limite. Juste ça. Juste ça. Si vous le faites, vous ne créerez aucun karma aujourd'hui. Vous n'allez pas augmenter la charge. Rien qu'en n'augmentant pas la charge, vous verrez, on se sent libéré. C'est le genre de supplice que vous vous imposez. Pourquoi croyez-vous qu'enfant vous étiez comme ça? Pourtant, vous aviez des entrepôts de karma sur le dos, mais vous souriez quand même. Maintenant,
Vous êtes devenu comme ça. Le virus, Sadhguru, le virus. Même avant l'arrivée du fichu virus, la plupart des gens avaient l'air si sérieux, comme s'ils sortaient de leur tombe. Oui. C'est parce que chaque jour a un peu plus d'ordures, sans fin. Chaque jour, qu'importe ce qui se passe, vous ajoutez, 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 ajoutez. Quelque chose a lieu, quelque chose n'a pas lieu. Pour tout, vous créez un bazar en vous-même, et la charge de ce bazar, juste des ordures. Vous êtes comme un camion poubelle, je vous le dis. Oui. Mais maintenant, c'est le confinement. Vous n'avez pas amassé des ordures. C'est le bon côté du confinement. Simplement, vous ne soyez pas sélectif. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour décider ce qui mérite votre attention, ce qui ne la mérite pas? Ce qui a créé tout ceci, qui que ce soit, voyez-vous qu'un brin d'herbe est créé avec autant de soin que ce grand arbre, ou que vous-même, ou qu'un éléphant, ou qu'un tigre? Une petite créature, un tout petit insecte qui se balade là, est mieux décoré que vous? Allô? Vous devez utiliser toutes sortes de teintures. Ils sont tous très bien peints d'eux-mêmes. Donc, quiconque a créé... La création a-t-elle porté moins d'attention à ces petites créatures qu'à vous-même? Non. Donc qui êtes-vous pour décider à quoi répondre, à quoi ne pas répondre? Votre capacité à répondre doit toujours être débridée. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, eh bien, on ne peut pas venir vous l'enseigner maintenant, il y a ingénierie intérieure en ligne. Faites juste cela, 3 jours. Les 3 premiers jours, ce qui est dit, laissez-le pénétrer en vous. Imprégnez-vous-en complètement. Vous verrez, en 3 à 4 jours, vous aurez l'impression de flotter, simplement parce que pas de nouvelles ordures. C'est ce qu'on ressent. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Il n'y a pas besoin de sans cesse vous charger la tête d'ordures. Parce que... Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kaleshwaraya Shiva, shiva, sarveshwaraya Shambho, shambho